Alors bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Eve, je suis mariée, j'ai 3 enfants. D'accord. Alors, et tu as un témoignage à apporter Oui. aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ça s'est passé le samedi 5 mai. On allait en famille au parc juste en bas de chez moi. Il y avait un passage piéton avec une double voie. Et il y a une voiture qui nous a laissé passer. Et sauf que la voiture qui était derrière cette voiture qui nous laissait passer n'a pas voulu attendre et a doublé la voiture. Ce qui fait que ma fille de 3 ans s'est fait renverser en plein milieu du passage piéton. Et la voiture, au lieu de s'arrêter, a accéléré. Et elle a traîné ma fille sous la voiture sur 3 mètres, 3 à 4 mètres. Et donc, ils ont soulevé la voiture, tout ça. Elle avait le carter d'huile au niveau de la tête, donc elle ne pouvait plus bouger, rien du tout. Et elle n'a rien eu. Grâce à Dieu, elle n'a rien eu du tout. Sur le coup, on a prié. Le SAMU et les pompiers sont venus. Le SAMU est venu parce qu'elle avait pris un gros choc ici. Ils ont eu peur et tout ça. Et comme elle avait été traînée sous la voiture, c'était mieux que le SAMU vienne. Et la petite n'a rien eu. Elle a eu qu'une brûlure en forme de cœur dans le dos. Qu'on va voir justement à l'écran. Donc c'est cette brûlure-là rouge hein, Oui. sur son dos du coup. Qui est partie en 3 jours, je Qui est précise parti en quand même. 3 jours. Ouais, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien eu. 3 jours après, elle a eu un hématome ici qui n'a pas gonflé, qui n'est pas devenu noir, qui n'est pas devenu jaune. C'est parti en 3 jours pareil, il n'y avait plus rien. Et c'est vraiment un miracle. Le SAMU nous a dit, enfin m'a dit quand j'étais dans le camion, vous vous rendez pas compte, la chance que vous avez, c'est un vrai, vrai, vrai miracle. Parce que dès le premier choc, elle aurait dû être morte. Suivant les témoignages qu'ils ont eus, elle aurait dû être morte sur le premier coup. Et donc je lui ai dit au monsieur, je lui ai dit, j'ai prié. Et il m'a dit, vous savez, dans ces moments-là, Dieu, je lui ai dit, en attendant, j'ai crié au nom de Jésus et elle a rien. Et donc voilà, le lendemain, donc elle est restée 48 heures en surveillance à l'hôpital. Le lendemain après-midi, donc tout allait bien, tout ça, ma maman est passée. Elle a raconté à ma maman que Jésus l'avait gardée, qu'elle n'avait rien senti, qu'elle n'avait rien entendu, juste elle pouvait plus bouger. Et quand ma maman est partie, moi je suis restée. Et d'un coup, dans la chambre, je l'ai entendu dire merci pour mon cœur, merci pour maman, merci pour papa. Elle a dit tout le monde de sa famille et elle a terminé par Amen. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en bas de la photo, il y a écrit Jésus, merci pour mon cœur. Voilà, parce que du coup, moi je me suis posé la question, je lui ai dit est-ce que tu remercies pour ton bobo, tu remercies pour ton cœur dans ta peau, enfin, parce qu'elle est petite, elle a que 3 ans. Et elle m'a dit non, c'est parce que Jésus m'a sauvé ma vie. Wow. Voilà. En tout cas, c'est un beau témoignage. Hein. Et elle, donc après avoir été traînée, hein, du coup, sur 3-4 mètres, Oui. elle était inconsciente, Ah elle non, non, elle était. était consciente. Elle s'est Elle levée? hurlait. Elle s'est mise debout. Ils ont eu peur parce qu'il y avait des passants. Wow. Ils ont eu peur. Ils ont dit, faut pas qu'elle se lève s'il y a la clavicule, s'il y a la moelle épinière. Faut pas, faut la laisser allonger. Et elle a été impossible de. Elle voulait retourner au jeu. Elle voulait aller au jeu. On allait au jeu. C'était en face du jeu. Elle a hurlé pour aller au jeu. Voilà. Et elle voulait pas aller dans le camion de pompiers, rien du tout. Et pour la calmer, ils lui ont mis un suppôt de Doliprane. Et elle a eu aucun traitement à l'hôpital parce qu'elle a eu aucune douleur. Elle a rien eu du tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi sur le petit bilan médical sur le côté, hein, donc à Épernay, le docteur que vous avez été voir. Oui. Waouh, et ben quel témoignage! C'est la main de Dieu vraiment. Bon, on te remercie en tout cas pour ce témoignage et à bientôt. Oui, à bientôt.